En fait, c'est les trois. Et pour moi, c'est un peu... C'est pas la même chose, c'est juste des médias différents. Même quand j'ai commencé à danser, c'était... J'ai vu quelque chose de musique, des histoires, du mouvement, il y a plein de choses dedans et c'est pas seulement le mouvement qui m'intéresse, c'est tout. En film, c'est encore plus ça, c'est plein de choses à jouer avec et j'aime bien tout faire en fait, mais pas tout, mais beaucoup. Je sais que je m'adapte aux gens parce que je travaille dans des compagnies complètement différentes avec des cultures, des techniques un peu différentes. Je travaille avec des compagnies complètement classiques et aussi avec des compagnies complètement contemporaines. Donc je m'adapte parce que moi, j'ai une base, je me sens très, très sûr de ce que je peux faire avec mon corps et avec d'autres corps. Donc c'est pas un problème, le style, c'est pas un problème pour moi, je peux m'adapter. Ce qui est plus important, c'est de trouver quelque chose de personnel. Ça, c'est intéressant. J'ai fait des classiques, des grands classiques avant. J'ai fait Raimonda, c'était complètement nouveau. Le libretto, c'était complètement nouveau, mais c'était un ballet classique. Gisèle, que j'ai fait, c'était un ballet contemporain. Aussi complètement nouveau, le libretto, mais le point de départ, c'était ces œuvres classiques. Pour les sept péchés capitaux, c'était encore quelque chose de... C'était un projet de nouveau pour moi, parce que c'est un opéra. En fait, c'est un opéra dansé, ballet chanté. Je n'ai jamais fait. En fait, j'ai fait le mise en scène, j'ai fait avec Patrick Kinmont, qui a fait les scénographies et les décors, les costumes. On a travaillé ensemble. Et on a gardé des choses. Le libretto est très spécifique. C'est une fille qui est venue de l'Amérique du Nord, née à Louisiana, et elle fait sept années dans cette ville en Amérique du Nord. On n'a pas gardé ça. On a gardé le texte en allemand parce que le son de la langue, on a pensé que c'est important. Mais on n'a pas gardé le libretto exactement comme c'est. Donc, on a fait quelque chose qui existe en parallèle avec les mots. C'est une grande critique de la vie capitaliste. C'est toujours valable, peut-être même plus. Si je me souviens bien, au début c'était les sept péchés capitaux de la bourgeoisie. C'est très noir en fait, et il y a des thèmes qui sont très difficiles. Donc il faut choisir comment est-ce qu'on approche ces thèmes très difficiles. Et nous, on a choisi de le faire avec de l'amour en fait. Parce que c'est une production qui est, j'espère, rigolo. Mais ce n'est pas vraiment rigolo parce que les thèmes sont là et les thèmes sont très difficiles. Donc c'est un peu les deux, c'est quelque chose qui est un show. Parce que aussi la musique c'est un show. Mais avec des thèmes très difficiles dedans. En fait, c'est trop tard, mais j'aimerais bien ajouter un point d'interrogation après le titre. Roaring Twenties, point d'interrogation, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Là, c'est 22, c'est 2022, donc on est dans les années 20 encore. On avait la pandémie, il y a des guerres en Europe, il y a des gros changements partout dans le monde, et des catastrophes et beaucoup d'anxiété. Donc, qu'est-ce que c'est la vie post-pandémie? Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas vraiment. Qu'est-ce que c'est la vie hyper connectée, mais très isolée en même temps, polarisée, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est ça la question. Et on a joué avec, on a fait des tableaux avec, on a essayé de créer quelque chose sur ces thèmes. Donc, ce n'est pas les années 20 du 20e siècle. L'isolation, c'est un thème qui est très proche de ces années 20. Je pense. C'est des années 20 polarisées, ouais, il y a beaucoup d'incertitudes. Ce spectacle, je travaille dans des façons différentes. Quelquefois, j'écris en libretto, je fais beaucoup de recherches,
avant commencer en studio. Mais quelquefois, je travaille intuitivement. Je me lance dans le studio avec les danseurs. Je fais des essais, des esquisses. On ne sait pas exactement quoi faire, on se lance. Et c'est ça que je fais avec cette création. Je travaille intuitivement. Ça veut dire que c'est un peu fragile. La pièce se développe comme un organisme jusqu'à demain, en fait. Je pense que la tendresse et la douceur, ça c'est le cœur de mon travail. Et ça c'est pas pessimiste et c'est pas négatif. Donc je travaille beaucoup avec la tendresse. Donc je m'approche ces sujets avec beaucoup de tendresse et les danseurs dans mon travail s'approchent avec beaucoup de tendresse aussi. Donc même si je ne suis pas pessimiste, non, je suis réaliste peut-être, mais je rêve beaucoup. Thank you.